La bullshit est partout, tout autour de vous, ici même, dans cette pièce. Vous pouvez la voir en dehors de votre fenêtre, à la télévision ou sur Internet. Vous la sentez quand vous allez travailler, aller à la messe ou quand vous payez vos taxes. C'est le monde qui a été placé devant vos yeux pour vous rendre aveugle de la vérité. Bienvenue sur ma chaîne Aletea 333. Bienvenue dans la bullshit. Alors me voici, Hermès, qui va vous parler de bullshit aujourd'hui. Parce que oui, la bullshit est partout. Dès que vous quittez le monde des rêves la nuit, que vous vous réveillez, que vous sortez de votre lit, vous êtes dans bullshit. Vous êtes dans la marde. Que vous allez ouvrir votre ordinateur, que vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous allez y trouver? De la bullshit! Alors, oui, c'est un constat. C'est ça, moi, je suis toujours déçu quand je vais encore critiquer puis chialer sur BitChut, qui est rien d'autre qu'un YouTube 2.0. C'est ça, YouTube 2.0. Les gens qui sont mis en vitrine, qui sont toujours mis en vedette sur la page d'accueil de BitChut, c'est toujours les mêmes. C'est toujours, je vais vous dire ça, j'ai fait ma liste, là. C'est toujours soit Mark Dice, Styx Exenhammer 666, je suis jamais capable de dire son maudit nom, lui. Et avec sa petite, il a toujours sa chemise déboutonnée, là, en bedaine, puis ses lunettes, ses cheveux longs, là. Ou des fois, c'est sa petite veste en cuir, mais il y a rien, il est en torse nu avec la veste de cuir, ses petits cheveux longs droits, ses petites lunettes de nerd. Qui d'autre? Infowars, bien sûr, Alex Jones, le roi de la bullshit. qui c'est d'autre qui est en... Tour les mêmes! Madame Catastrophe, Lisa Heaven. Elle, il y a juste le plafond encore qui n'a pas tombé sur la tête, puis ça sent bien. Red Eyes TV, Tommy Robinson. Toujours le même bag, les mêmes douche bags, les mêmes barf bags. Vite, vite, apportez-moi mon petit sac à vomi, ça presse. Je pense que là, oui. Donc, c'est juste la promotion de ce monde-là. Donc, il n'y a pas de place en vitrine, sur BitChut, pour des Aletea 333, peut-être même mon ami Jean Némar, Amaterasu Solar, Marcel Minga, Jerry, le Acadian Shepherd. Donc, c'est juste ceux qui continuent de propager la bullshit, les conspirationnistes, tous ceux qui pensent que Jeffrey Epstein n'est pas mort, puis que Hillary est à Guantanamo, puis c'est ça.
Elle est en train de préparer le café. Pour tout le monde, pour toutes les autres. Obama et compagnie. C'est ça, on nous maintient là-dedans. On est maintenu. Et ça fait l'affaire de l'élite que ces gens-là soient là. Parce que ça maintient les gens dans l'espoir. Ça les maintient dans l'espoir que ça va changer. Qu'il va y avoir des arrestations. Que l'état profond sera... comment est-ce qu'on dirait ça? Comment est-ce qu'il dit ça? L'état profond sera anéanti. Alors, mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui va aller en prison. C'est juste tout le monde. C'est juste nous autres. C'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Madonna Summer aussi. Aphrodite. On s'en va tous en prison. C'est fini pour nous autres. C'est fini, puis c'est ça, ça, les, ça fait leur affaire qu'on ait ces faux espoirs-là, qu'on ait ces gens-là qui nous amènent dans les mauvais chemins, qui nous amènent dans de la bullshit. C'est ça, il y en a partout de la bullshit. Il y en a, dès qu'on sort dehors, avec la publicité, tous les cossins qui marchent pas, qu'on essaye de nous vendre sur notre route pendant qu'on s'en va travailler. C'est bon, ce soir, je suis content, je fais beaucoup de références à des bons films de science-fiction, La Matrice, The Matrix, 1999, Des Livres. Je sais pas comment est-ce qu'il l'a appelé en français, des livres de comment est-ce qu'il s'appelle? C'est-tu John Carpenter? J'espère pas me tromper. Je sais pas si c'est quelqu'un de la famille Carpenter qui chante, là. Every shalalala. Every wo 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 wo. Alors, shingalingaling. Alors, c'est ça, la bullshit. La bullshingalingaling. Alors, c'est ça, c'est partout sur notre chemin quand on s'en va travailler. Parce qu'il y a des panneaux publicitaires partout. Et dans notre milieu de travail, parce que... moi, je suis dans un milieu de travail que rien se dit. Je suis en train de me demander si je ne vais pas perdre ma job cette année. Si c'est pas la dernière année, parce que ça va pas bien. Parce qu'on a des succursales qui ferment. En tout cas, on en a une en ce moment, une grosse succursale. Alors, ça va pas bien. C'est quand notre tour... Puis on a un patron, un directeur qui est dans l'illusion, qui vit dans bullshit, puis qui nous garde dans bullshit, qui nous dit rien. Alors, c'est ça, on est gardé dans l'ignorance. On nous fait croire toutes sortes de choses. Donc, c'est ça la bullshit, c'est de nous faire croire toutes sortes de choses. Et puis, tous ces gens-là qui sont en vitrine sur le web, dans les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, servent à l'élite. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont pas éliminés. C'est tout comment je pourrais dire ça? C'est comme Infowars qui a été banni de YouTube. Ben voyons donc. Ça, c'est tout orchestré. C'est tout pour faire croire au monde que Carl, lui, il est legit. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais que tu sais, il est... He's for real. Il est vrai, il est authentique. Et puis, regardez qu'on peut l'éliminer. Alors, c'est votre tour à vous aussi. Donc, fermez vos yeux. Vous n'avez pas un mot à dire. Vous n'avez pas à remettre en question le système. C'est ça un peu. Je commence à voir comment la patente à gosse, comment la bullshit fonctionne, ou la matrice. Appelez-la comme vous voulez. C'est de voir comment est-ce qu'elle fonctionne, puis comment est-ce qu'elle nous maintient. Elle veut nous maintenir dans l'illusion, puis dans la bullshit. Et puis ça marche parce que tout le monde embarque, tout le monde suit tous ces gens-là là, qui sont très populaires, qui ont des milliers et peut-être même des millions d'abonnés. Donc nous, le petit nombre de qui sont non bullshiteux, qui sont pas dans la bullshit, comme moi, comme Marcel, mon ami Marcel Menga, je dirais même Jerry, parce qu'il y a des fois il y a des bonnes réflexions. J'en ai marre, c'est sûr. J'en ai marre quand même, il est populaire ici au Québec. Même s'il compte pas de bullshit. Mais il y a plus de gens qui suivent les autres, là, les deux moineaux là, qui font juste demander des dons, qui font juste demander de l'argent, puis qui gardent le monde justement dans les conspirations, puis dans les délires là, de QAnon. Alors, pas besoin de les nommer, ils sont assez populaires déjà. Là,
C'est des. Il y en a un dans la gang qui passe à Télé-Québec, qui est passé avec son ami Richard Martineau. Alors, pas. Tu sais. Perte de temps. C'est une perte de temps. Je l'ai écouté 5 minutes, puis on parle d'Alexis, là. Alexis Cossette, strudel aux pommes. Alors, je me suis endormi au bout de 5 minutes. J'ai dit, c'est bien plate. C'est ça. C'est juste du radotage, puis du remâchage de QAnon. QAnon, c'est toute une bande d'illuminés, là, d'extrême droite religieux. Beaucoup de fêlés. Ça m'amène à ça, c'est que. Oui, le monde est rendu complètement coucou. On est comme dans un vol au-dessus d'un nid de coucou. Je trouve que ce film-là, ça vaut la peine de le revoir. Je pense que je vais le réécouter. Ça va sûrement m'inspirer parce que l'Internet, c'est ça que c'est rendu. C'est juste des délires, des gens parano. Beaucoup de gens sont paranoïaques, susceptibles, on peut rien dire. Il y a Hawk Sachem qui est encore revenu dans le décor. Il y a beaucoup de coucou sur le web, de plus en plus. Donc, c'était pour ça que j'avais désactivé les commentaires quand j'étais sur YouTube, pendant mon expérience YouTube, de septembre à, on va dire, décembre 2019. Parce que c'était juste des insignifiances, puis c'était juste des attaques, des moqueries, des gens qui savent pas de quoi qu'ils parlent, qui parlent à travers leur chapeau, comme on dit. Ils sont placés là pour nous je sais pas si ça se dit discréditer. Ils sont là pour nous nuire, pour nuire à nos messages, les trolls puis toutes les débiles de l'asile. Pis c'est pas des gens payés, c'est pas des agents, je crois pas à ça. C'est du monde ordinaire qui sont juste débiles, pis c'est tout, qui sont juste cons puis qui sont juste là pour nous flaguer, pour nous écœurer, pour nous faire des pouces en bas. Pour justement défaire notre travail. Ils sont là comme pour brouiller les cartes puis embrouiller les autres qui voudraient connaître la vérité, qui voudraient se connecter avec nous. Mais tous ces trolls-là qui viennent foutre la merde, moi je les appelle les. J'ai trouvé un bon nom. Je consulte mes notes pour pas recommencer 10 fois cette vidéo-là. Ce sont les parasites des médias sociaux. C'est ça. Les parasites des médias sociaux. Et voilà, c'était bien dit. C'est ça qu'on a à faire. C'est pour ça que des fois, c'est peut-être mieux d'enlever les commentaires. Mais bon, moi, sur BitChute, j'aime la liberté et j'ai quand même un auditoire intéressant. J'ai des abonnés qui sont intelligents et qui me font des remarques intelligentes. Alors, c'est pour ça que j'ai pas envie vraiment de les enlever. Parce que on est capable de communiquer et d'échanger de manière civilisée. Mais si ça dégénère, je vais peut-être faire ça. Tu sais, Jerry, il a enlevé ses commentaires. C'est à cause de ça, c'est sûr. Qui d'autre les a enlevés? Hawk Sachem, il est tellement parano. il aime pas ça qu'on lui dise ça, mais c'est ça de la vérité. Il est susceptible, on peut rien dire, puis il y a toujours des réponses sarcastiques et méchantes. Il nous fait des répliques. On peut rien lui dire, il est toujours facilement offensable, toujours offensé. Ah, moi, je suis plus capable de cet asile de fou-là. Internet s'est rendu ça. Mais si vous êtes sain d'esprit et que vous êtes. C'est ça, que vous avez votre faculté de penser et votre bon jugement, eh bien, vous êtes bienvenue sur ma chaîne parce que c'est ça, l'ETA. À l'ETA se questionne, à l'ETA 333, où Hermès, le messager et philosophe, votre hôte de cette chaîne, moi, je suis là pour. Moi, je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Ça, je l'ai toujours dit, puis c'est vrai. Moi, je suis juste là
pour essayer de trouver la vraie vérité. Parce que je pense qu'on ne l'a pas encore trouvée. Comme c'est juste de la bullshit partout, partout, même quand on sort dehors, puis que c'est un asile de fous, ben c'est difficile de trouver ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est juste dans votre cœur. C'est quelque chose que j'ai dit souvent, je l'ai répété souvent, mais pour conclure, c'est juste ça. C'est juste là que ça se passe. Donc, arrêtez de croire à toute la bullshit, parce qu'il y en a beaucoup. Même dans les faux médias alternatifs. Moi, j'ai pas de prétention. Je suis un gars bien ordinaire. Je suis obligé de faire ma job, d'aller travailler, d'aller me faire chier. Je suis un esclave, comme Néo, dans la matrice. Je suis un esclave, je dois aller travailler. 35 heures semaine, parce que sinon je pourrais pas payer le loyer, je pourrais pas vivre. Ça, c'est la réalité. Alors, je suis vrai avec vous quand la caméra tourne, moi je compte pas de bullshit. Je vous dis ce que j'ai dans le cœur tout le temps. Ça va toujours être comme ça, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Merci d'avoir été là. Et aux prochaines vidéos.